Am I doing anything right? Matt Damon veut prendre un nouveau départ. Père célibataire, il décide de tout plaquer pour élever ses deux enfants à la campagne. Il achète une vieille maison et la surprise. What's so complicated about this place? La propriété est attenante à un zoo délabré. La gardienne, Scarlett Johansson, se bat contre sa fermeture. L'occasion pour la petite famille de se ressouder autour d'un nouveau défi. Une comédie américaine romantique basée sur une histoire vraie de Cameron Crowe. If you stick with me, I will give this everything. C'est 100% UV. Good one. Tu l'as trouvé où le matériel petit? C'est du test au cage, monsieur. Simon, 12 ans, a trouvé la combine, voler les skis des riches touristes et les revendre aux jeunes de son immeuble, au cœur d'une cité industrielle. De ses petits larcins, il tire un revenu régulier qu'il donne à sa sœur Louise, jouée par Léa Seydoux, une jeune fille perdue qui passe d'un amant à un autre. L'enfant d'en haut, d'Ursula Meyer, a remporté un ours d'argent au Festival de Berlin, 4 ans après le succès de Home. Je l'aurais dit de toute façon! Ça change quoi, hein? Ça change quoi? Du bist feig! So? Retrouver l'amour pour tourner la page, c'est le thème de L'amour et rien d'autre, un drame allemand de Jan Schomburg. Le mari de Martha, sous les traits de Sandra Hüller, disparaît brutalement. Encore dans l'incompréhension, elle tombe sur Alexander, interprété par George Friedrich. Un geste, un regard, ce nouvel homme incarne soudain le grand amour perdu. Mais sera-t-il à la hauteur du vide laissé par Paul? Ich liebe den Menschen, den du aus mir machst. Ja? Ja. Gut. Riva revient riche à Kinshasa après 10 ans d'absence. Dans cette ville où tout est à vendre, il compte bien faire fructifier son business. Sa fortune mal acquise finit par le rattraper. Ses créanciers congolais décident de se venger. Mais ce qu'il veut avant tout, c'est Mani Malone, une mystérieuse reine de la nuit qui appartient à un autre truand. Jalousie, pot de vin et prostitution pimentent ce polar, entièrement tourné à Kinshasa, du jeune réalisateur congolais Jotunda Vamonga.